Michael est avec nous. Applaudissements pour Michael, l'admirateur. Tu te rappelles de lui ou pas? Tu te rappelles de Michael ou pas? Alors Michael, viens près de moi. Michael, c'est, bon, ça fait combien de temps que t'as pas revu Julia? Ça fait longtemps, ouais. Enfin, ouais, ça fait peut-être 20 ans, 19 ans. Mais t'étais vraiment... Tu m'admirais vraiment? J'étais un G-son et voilà, bon, quand on est un G-son, ben là, je suis un peu intimidé parce qu'habituellement, je suis plus derrière. Mais non, on est tous les deux. Voilà. C'est pas un Mika. Ouais. Merci d'être là. Et donc, voilà, je te mettais les micros et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose, quoi. De quel côté? Du tien ou du... Déjà, de mon côté, et pour moi, il y avait un truc réciproque, enfin, je pense. D'accord. Ouais. Yes. Mais écoute, à l'époque, j'étais célibataire, ce qui n'est plus le cas. Donc, en fait, ce qui est dommage, c'est que t'as... Oui, voilà, maintenant, c'est peut-être de l'amitié. Voilà. Ce que mais je ne suis pas jaloux, moi. Enfin, moi, j'ai... En tout cas, il a du bon. Ouais. Ouais. Michael, est-ce que tu as un truc à dire à Julia? Allez. Déjà que je la suis depuis des années. Enfin, voilà, la tu matinale, aimes ce qu'elle fait? Tu vas regarder mon admirateur secret sur un site? Je regarde, ce soir, c'est sûr, ça c'est obligé. Quand je la vois, j'ai les larmes aux yeux, là, je tremble. Et là, franchement, c'est j'ai... C'est vrai, Michael? Ah non, oui. C'est pas un poisson d'avril? Mais non, non, vraiment. Je t'embrasse, vraiment. Ah oui, ouais. Ah oui. Merci. Ah. Oh, mais t'es très mignon, toi. Il va pleurer. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. J'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais c'est vrai, il a les mains. Ouais, mais non, mais. Moi, t'es tout. Mais c'est pas de l'amour, quand même. Enfin, un peu, quand même. Mais, non, mais voilà, je voulais te faire un cadeau. Enfin, ça s'en va. Ah, mais il y a un cadeau. Ouais. En fait, je voulais te demander de m'épouser, quoi. Elle prend la bague, elle, quand même. C'est énorme. La meuf, elle prend la bague, quand même. C'est Fatou 2. C'est Fatou 2, le retour. Elle est magnifique. Non, mais Michael, sans rigoler, c'est... Non, c'est pas une blague, c'est sincère. Il transpire. C'est gentil, Michael. Mais alors, il faut que je te dise quelque chose. Je ne suis pas célibataire. Et j'ai pris un mauvais pli qui s'appelle la fidélité. Et je ne peux pas du tout déroger à cette règle-là. Même une fois, enfin, même on peut faire un... Même une aussi jolie bague. Alors moi, ce que je dis aux admirateurs secrets qui n'ont pas la réponse qu'ils veulent sur l'émission, c'est grâce à ce que je viens de te dire, tu vas pouvoir passer à autre chose. Et cette bague, tu vas l'offrir à une femme célibataire qui t'admire autant que tu l'admires. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Bravo. Bravo. Il est pas bien, Michael. Alors, je suis un peu déçu quand même. Bah, c'est normal. Michael, j'espère. On va. Julia. Oui. Est-ce que tu peux faire quand même un petit bisou, Michael, qui je va nous. Je refais un bisou à Michael. Mais je voudrais pas non plus lui donner de faux espoirs. Non, c'est juste un gros bisou. Merci, Michael. Pas trop déçu, Michael. Bah, un peu quand même. Enfin, je suis venu ici. J'avais acheté la bague exprès. Ouais, j'ai acheté la bague samedi. Mais tu peux la rendre? Je sais pas. Il sait pas. Elle est magnifique. Attendez, je vous la montre quand même. Michael, il transpire le pauvre. Julia Vignali. Est-ce que vous pouvez me redonner la date aujourd'hui? La date de notre rencontre avec lui? Non, aujourd'hui. La date, le 1er avril. Donc bien sûr, c'était un poisson d'avril. Oh c'est vrai. Bravo.